The way we have a weight to our love or understand love itself or the magnitude of love is through pain. Mm-hmm. When we most feel love, we feel pain. Here is the thing. Mm-hmm. They ultimately went ahead and got financial information on you, mm-hmm. on Tony, mm-hmm. on Joe, mm-hmm. on Jim O'Dotto, George mm-hmm. Hurst, Rex Smith, every judge in every case they were involved in. First she told me it was a women's group, an international women's group, a secret society similar to the Freemasons. They're getting information on fucking judges and the press. And she brought us all down individually, blindfolded and naked, sat us in a semicircle on a sheepskin rug with candles. Now when this comes out, mm-hmm. it's going to be a shitstorm. Hey! Now, federal prosecutors say they have busted a cult leader convicted of running a sex trafficking ring who allegedly recruited Hollywood stars and enslaved women. Among Rainieri's followers, Allison Mack from the hit show Smallville, whose character had a crush on young Superman. Hey, Clark. The story we've heard is they had this epic four-day meeting. Nancy Salzman was this expert therapist, and they create what is now called NXIVM. Four more people have been arrested in connection to the alleged sex cult NXIVM, including an heiress to the Seagram's liquor fortune. But it took the jury less than 5 hours to find Keith Raniere guilty on all counts. She suffered intense pain being branded in a sex slave cult at the hands of Dr. Danielle Roberts. To do it, are you committed to making the change? It's gonna take everything you've got. You've gotta want it. We had masks on, like surgical masks, because the smell of flesh was so strong. He did a whole teaching on how it's okay to have sex with children. And they showed this on tape, of him speaking about this on tape. Like, do you know what I'm going to say right now? No. You're insecure about that. Yeah. Is that scary for you? No. Why not? Bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez, quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Après avoir montré l'angle que les médias n'ont pas cherché à vous montrer sur l'affaire Jeffrey Epstein, cet angle qui mène à comprendre comment tout un réseau de compromission et de consommation d'esclaves sexuels mineurs agit en toute impunité à travers le monde, et ce, avec la participation des officiels de l'ONU. Voulant également rendre hommage à celle qui nous avait alerté de ces réseaux d'élite il y a 18 ans, j'ai nommé Karen Mulder, je m'étais dit que je pouvais enfin avancer à présent sur certains décodages que j'ai faits pour vous. Mais c'était sans compter un des éléments de l'affaire NXIVM qui m'a littéralement stoppé dans mon élan. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, vous allez vraiment tomber de votre chaise. Et pour ceux qui la connaissent, accrochez-vous quand même parce que j'ai quand même un scoop pour vous à la fin de cette vidéo. Ce n'est vraiment pas un effet d'annonce, je ne sais absolument pas ce que cela va générer. Ce qui est sûr, c'est que je suis contre toute forme de harcèlement et de violence. Je le dis car certaines personnes que je vais citer ne savent peut-être pas elles-mêmes dans quoi elles sont impliquées. Cet élément m'a stoppé. Et bien que je connaissais déjà l'affaire NXIVM en surface, cet élément m'a carrément fait rentrer dans le trou du lapin. Je ressors tout juste d'une investigation sur cette secte américaine, ce réseau d'esclaves sexuels. J'ai gratté, j'ai creusé, j'ai fouillé. Et au moment où je vous écris ces mots, rien n'est venu réfuter ce que je pense avoir découvert. Et l'importance de ce que j'ai découvert a pris le pas, encore une fois, sur mon programme. Cette seconde partie, plus improvisée que la première, sera peut-être même plus courte, je ne sais pas. Nous allons donc, après Epstein et Karen Mulder, découvrir l'affaire NXIVM. Et je suggère à ceux présents à la première de cette vidéo de lâcher le chat et de vraiment rester concentré, car si je n'ai pas réussi à démonter mes propres arguments, quelqu'un pourra peut-être le faire pour moi dans les commentaires, ou même à travers les médias si tant est qu'ils aient de vrais arguments. La situation est préoccupante, et ces informations devraient au moins alerter les parents et les pouvoirs publics. Bienvenue dans cette seconde partie d'Apprenez à voir 3. We are the members of Do It or Die. D-I, D-I, D-I. Watch us make bimbo as easy as pie. D-I, D-I, D-I. We are tough, you bet. Filled with college prep. Bring him on.
Il était une fois un homme dont l'esprit fut si gangréné par l'ego qu'il fit de lui-même un culte. I've had people killed because of my beliefs and because of their beliefs. If you say your own opinion, you can destroy people's lives. That is the nature of becoming prominent. Sa personne est peut-être derrière les barreaux aujourd'hui, mais sa folie, elle, continue de ramper dans l'ombre. The Ethical Science Foundation was obtaining visas for teachers in connection with an alleged scientific study about the language development in children. Mais un petit retour en arrière s'impose. His name is Keith Raniere. Keith Alan Raniere est, selon ses dires, un génie qui, depuis son plus jeune âge, comprenait ce que les autres ne comprenaient pas. Cet homme aurait un QI de 240 et parle avec des mots emprunts des plus grands philosophes. Sort of presupposes that there is an authenticity. But when you've taken part of yourself and distorted it or locked it away, it's impossible to be authentic. Because your representation of yourself to yourself is inauthentic. Il est tellement admiré qu'il est entouré de dévots, on les appelle les Nexians, en référence à l'organisation Nexium qu'il a fondée fin des années 90. In fact, his followers are so devoted that they travel in from all over the world to celebrate Raniere's birthday, an annual celebration known as Vanguard Week. Wishing Vanguard a happy birthday. I loved V Week. I loved it. It was like my favorite time of year. I missed my best friend's wedding. It still makes me emotional because I thought that's more important to be a V-Week. I missed her wedding. You were deeply in. I was deep in. Tellement admiré que le Dalai Lama lui-même s'est déplacé pour faire une conférence à Albany, à la demande de l'un de ses gardiens, situé aux États-Unis. They are carrying some kind of movement about the ethics. Tout ça paraît totalement fou, mais l'affaire Nexium nous rappelle une chose. Méfiez-vous des gourous qui pensent avoir découvert une nouvelle technique pour résoudre tous vos problèmes. Car c'est exactement comme cela qu'une secte fonctionne. Je me devais donc de faire un retour en arrière afin que ce voyage dans le temps vous aide à comprendre l'importance de l'affaire Nexium et la forte influence de son créateur. His idea is called Consumer's Byline. It's an amazing idea. Yes, well, sometimes it even amazes me. But Consumer's Byline is wonderful. And it's working. C'est dans les années 80 qu'il lance une société de marketing multiniveau. Son succès est tel qu'il se verra à la tête de 250 000 distributeurs dans tous les États-Unis et 173 employés directs. En retour d'une inscription coûtant la somme de $190, CBI offrait une réduction sur les produits du groupe et promettait aux membres qui recrutaient d'autres personnes de toucher plus de $4,000 dès le second recrutement. There was nothing to sell because what I was really doing was providing the people I cared about with the best opportunity they would ever find to come along in their life, the once in a lifetime opportunity. Mais ce n'est pas ce qu'il arriva. L'illusion d'une société florissante allait s'effondrer brutalement lorsque les membres réalisèrent qu'il ne s'agissait pas d'une société de MLM, mais une société de vente pyramidale. Système de vente dont le procédé, aussi appelé chaîne d'argent ou boule de neige, ne profite bien souvent qu'à ceux qui en sont à la tête et non pas à ses distributeurs. On Saturday night, more than 200 main consumers byline members packed into this bit of a theater, all looking to meet the man behind the company, President Keith Raniere. But Raniere did not show up, and some say as a result, the meeting got nasty. First told you about consumers byline last May when the company was accused of being an illegal pyramid scheme that uses unfair sales practices to sign up new members. If you go to work, you want to get paid at the end of the week. And that's the bottom line with people. And people aren't getting paid. Not that I've heard. So far, the company is facing 4 state investigations and several state lawsuits. La fin de cette escroquerie aura comptabilisé 25 investigations différentes, ainsi que la fermeture de l'enseigne en 1997, et nous rappelle que toute société qui fonctionne dans une structure pyramidale, aussi haute puisse-t-elle aller, est destinée à s'effondrer un jour ou l'autre. The lawsuit was eventually dropped. Although he did not admit any wrongdoing, Raniere signed a consent order to never operate an illegal chain distribution scheme in New York. Mais comme nous ne retenons que très rarement les leçons du passé, la plupart d'entre nous reproduit le même schéma, encore et encore, avec pour seul argument que cette fois-ci, il a un autre nom. Wanna be a member? Wanna be a member?
No. There's the way out. Nous sommes en 1998 quand notre génie Keith Raniere décide de s'associer avec Nancy Salzman dans le but de créer une nouvelle compagnie de développement personnel, cette fois nommée Executive Success Program, ou ESP, en lui ajoutant une couche de marketing multiniveau. The story we've heard is they had this epic four-day meeting. Nancy Salzman was this therapist in neuro-linguistic programming. Gold counting the deeper on each leg. That's how it works. ESP commence à prospérer et ses promesses semblent apporter le bien-être à ses membres. Même des stars de séries hollywoodiennes comme Allison Mack et de la série Smallville se mettent à faire la promotion de cette enseigne qui semble les mettre dans une forme d'adoration pour son fondateur. I don't know why that makes me want to cry. It's beautiful. Well, it's... Sorry. Et pour sa philosophie qui se revendique de celle du philosophe Rudolf Steiner. And when I came to ESP and I started to do the work in the Kohl's lab, do the work in the classes, I started to transform. Si l'on regarde de près les faits, l'on peut se rendre compte que l'application de sa philosophie était bien plus proche d'un mélange étrange de programmation neurolinguistique, PNL, de scientologie et de luciférianisme. And love comes not from the receiving. It comes from the giving. It comes not from the satiation or the comfort. It comes from the sacrifice and the pain. That's how we know it. Certains termes utilisés par Nexium sont d'ailleurs empruntés à la scientologie de L. Ron Hubbard, comme leur technique de développement personnel, par exemple, appelée technology. La scientologie propose une technologie précise pour étudier. Celle-ci permet d'apprendre et de comprendre complètement n'importe quel sujet. La course au recrutement des nouveaux membres semble bien lancée à travers ce centre de formation qui prendra bientôt le nom de Nexium. L'une d'elles, Christine Snyder, a pris un premier cours, on les appelle intensive. At the heart of Nexium training is something called intensives, which former members say are like group therapy, running as long as 14 hours a day and up to 16 days. Ses parents racontent que lorsqu'elle en est ressortie, elle avait totalement changé. Celle qui était une femme joyeuse, pleine d'entrain, une consultante environnementaliste prolifique, était entrée dans les limbes. Quelque chose est arrivé. Elle décide de retourner chez ESP pour un nouvel intensif de 16 jours. Cette fois sera la dernière. Elle va soudainement quitter ce séminaire à $7,000 et disparaître. You know, we responded out here, we looked around. You know, it was just incredibly foggy that night. We could hardly see right off the hood of the car. Found our car out here. Never found the body. They never found her body. No. On retrouvera sa lettre de suicide à 2h30 de chez ESP. Je cite, j'ai participé à un concours appelé Executive Success Program, ou Nexium, à Anchorage, Albany, dans l'état de New York. Ils m'ont lavé le cerveau, et mes centres émotionnels sont totalement morts. J'ai encore des sensations sur la peau, mais mes organes internes sont en train de pourrir. Contactez s'il vous plaît mes parents, si vous me retrouvez ou si vous retrouvez cette note. Je suis navré la vie. Je ne savais pas que j'étais déjà morte, que nous puissions persister à l'avenir. Christine Snyder. Et à l'arrière, la note suivante, je cite, « Inutile de chercher mon corps ». Fin de citation. Nancy Salzman se défend de cette attaque envers ESP / Nexium en disant que la société Nexium a été créée après le suicide de Christine et qui plus est, Nexium ne s'écrit pas comme ça. Sauf que, en fouillant dans les livres de notes d'ESP, rédigés par le staff de la société, il est bien mentionné le terme « Nouveau Centre Nexium », alors daté du 2 au 17 novembre 2002, c'est-à-dire en plein dans les dates de coaching de Christine. Tout ça commence à puer, vous allez me dire. En effet, après le centre de formation ESP, ce sont trois nouvelles filiales de Nexium qui voient le jour. Le SOP, sigle d'une société secrète exclusivement masculine, nommée la Société des Protecteurs. Le DOS, toujours secrète, cette société est exclusivement réservée aux femmes et prône son émancipation à travers la sororité. First she told me it was a women's group, an international women's group, a secret society similar to the Freemasons that would be totally underground and a group of women working together to be a force for good in the world. Et finalement, deux autres filiales voient le jour, publiques cette fois-ci, Genes et Girls by Design. Celle-ci s'adresse aux jeunes femmes et adolescentes et qui mieux que des stars de séries TV pour recruter de jeunes ados. A Smallville star is now inspiring big dreams for young girls around the world.
I think that women have so much to offer the world, and I want to catch them at that age, where they're just starting out, just building themselves. After 8 seasons on the hit TV series Smallville, Kristen Kreuk is hoping to inspire girls on it. C'est ainsi qu'en 2006, l'actrice de la série Smallville, Kristen Kreuk, amène sa partenaire de jeu, la star canadienne Alison Mack, à un séminaire jeunesse qui se tenait à Vancouver afin de présenter ce club aux Canadiennes. À la fin du séminaire, qui durera plusieurs jours, Alison et la fille de Nancy Salzman, Lorraine, deviennent quasiment meilleures amies. S'ensuit pour Alison Mack un voyage en jet privé au quartier général de Nexium, à Albany dans l'état de New York, où son prochain maître lui propose de l'aider dans sa carrière d'actrice. Elle accepte, et finit par devenir une de ses adeptes. D'autres noms de la haute commencent à intégrer Nexium, comme le fils de l'ancien président du Mexique, Emiliano Salinas, qui ouvrira avec Vanguard un nouveau Nexium dans son pays. Mais s'il y a bien un nom qui reste imprimé dans mon esprit, car ce que j'ai découvert les concerne, est celui d'une des familles les plus riches et influentes au monde. The Bronfman sisters are here this morning, Claire and Sarah. And listen, both of you seem like you could be from North Albany, quite frankly, sitting here talking to you. But the truth is, you're not. I mean, you're from a very powerful family. Pour comprendre ce que la famille Bronfman représente, nous allons continuer notre voyage dans le temps et nous rendre à la fin du 19e siècle. Éloignons-nous donc de Nexium un instant afin de comprendre comment l'implication de cette famille au sein de cette secte fut décisive. Nous sommes en 1857. Une nouvelle distillerie ouvre ses portes à Waterloo, en Ontario, Canada. 12 ans plus tard, Joseph E. Seagram en devient associé en 1869, puis unique propriétaire en 1883. Cette distillerie portera alors le nom de Joseph E. Seagram & Sons. En 1924, 5 ans après le début de la prohibition, les boissons alcoolisées étaient interdites à la vente. Or, les colonies canadiennes, françaises et britanniques virent dans cette prohibition une opportunité en or afin de vendre de l'alcool en grande quantité à la population américaine. Ainsi s'est organisé un formidable trafic qui a partagé les villes américaines en zones d'influence sur lesquelles règnent des gangs puissamment organisés. C'est ainsi que l'industriel Samuel Bronfman décide, cette année-là, de fonder la Distillers Corporation Limited à Montréal. Sa société fait comme prévu des recettes énormes grâce à la prohibition, et c'est en 1928, à la mort de Joseph Seagram, que Bronfman absorbe sa société Joseph E. Seagram & Sons, ne conservant que le nom Seagram. Bronfman se voit alors propriétaire d'un énorme stock de whisky âgé sur les starting blocks pour célébrer la fin de la prohibition qui aura lieu en 1933. La suite, vous l'imaginez. By the 1950s, one of every three distilled drinks sold in North America was poured from a Seagram bottle. La famille Bronfman devient milliardaire grâce à Seagram, concluant également de nombreux contrats avec différents groupes et personnalités d'influence à travers les générations. Well, we're going into Dad's office. Quite different now than what it was, but that was his desk. The clock over there was outside. And that is him, right over there. Un de ses quatre enfants, Edgar Bronfman Sr., reprend la tête de Seagram en 1953 et commence à étendre leurs offres. C'est ainsi qu'il devient le président des studios de la Metro-Goldwyn-Mayer durant un temps après avoir racheté 820 000 parts dans les studios. Il deviendra également président à vie du Congrès juif mondial jusqu'à sa mort en 2003. 6 ans plus tard, en 1995, Edgar se retrouve à la tête des studios Universal et du groupe Universal Music. Plus tard, en 2000, Seagram fusionne avec le groupe français Vivendi. C'est lui qui apporte les clés du groupe Seagram pour 34 milliards de dollars, plus de 200 milliards de francs. L'immobilier et le bâtiment sont vendus, l'énergie mise en commun avec EDF, l'eau et la propreté seront introduits en bourse la semaine prochaine. Ce petit tour du propriétaire étant fait, revenons-en à Nexium, et s'il y a bien une raison pour laquelle Nexium a connu un tel succès, c'est bien grâce aux millions de dollars injectés dans la société par deux sœurs, Sarah et Claire Bronfman, les deux filles d'Edgar. Et quand je parle de millions de dollars, je ne parle pas de 2 ou 3 millions, je parle de plus de 150 millions de dollars extraits directement des comptes de Seagram et venus alimenter ce qui va devenir, après celui d'Epstein, l'un des plus gros lieux, à la connaissance du public en tout cas, de compromission et d'esclavage sexuel de notre époque. Keith and Nancy, Emiliano and Claire, yeah, are the heart of the foundation, the money and the operations. Sarah et Claire étaient des membres de haut rang de Nexium et voyaient Keith Raniere comme une idole dont les préceptes devaient absolument s'étendre dans le monde entier. Mais en 2007, c'est l'arrivée d'un homme chez Nexium qui va poser de sérieux problèmes à Keith Raniere. En effet,
Cette année-là, Franck Parlato intègre Nexium afin d'apporter son aide sur la publicité du groupe, jusqu'au jour où il réalise que Ranieri est en train d'escroquer ses membres, ce qui lui vaudra d'être renvoyé. So I became a journalist. My goal was to expose Nexium. Franck Parlato décide alors d'investiguer et de diffuser toutes ses recherches sur trois sites différents, Art Voice, The Niagara Reporter et The Franck Report. Déterminé à mettre à jour ce scandale, son investigation l'amènera à dévoiler l'ampleur de la machination Nexium. Here is the thing. Mm-hmm. They ultimately went ahead and got financial information on you, mm-hmm. on Tony, mm-hmm. on Joe, mm-hmm. on Jim O'Dotto, George mm-hmm. Hurst, Rex Smith, mm. every judge. Yeah. In every case they were involved in. Yeah. They're getting information on fucking judges and the press. But when you have the opportunity to put a bright light on me and just question me. Yeah, exactly. What the heck? And prosecutors are calling the group a cult and a pyramid scheme and are asking for any other potential victims to come forward. Ranier even had sex with a 15-year-old girl and took nude photos of her. Involved in sex trafficking, child pornography. Sexual relationship began between Keith and myself at the age of 12. Compelled abortions, branding, degradation, and humiliation. Is that scary for you? No. Why not? Because I trust. You write, oh my God, I'm in a cult. Keith's a sociopath who for years has been training women to worship him so that they'll have sex with him. One of them was attracted to another man and Ranieri got jealous. And so they locked her in a room for 2 years. Women are weak. We have no character. Women enjoy rape. So women have to learn how to humiliate themselves, each other. There are about 40 people that I could list for you right now that see these similar elephants. That's right. We as a company don't ever address those elephants. You don't have the experience of leadership. Okay. You don't have the experience of preserving people's lives. In a way, neither do you. Yes, I do. If you question Keith Ranieri, the hits the fan. No, you don't, because the only company before this was Consumers Byline, and that, my understanding, fell apart within a few years. That's not, well, here's the thing. I've had people killed. Right. Because of my beliefs, right. and because of their beliefs. Right. Keith and Allison, January 9th, 6:59 a.m., talking about branding on the wall. The person who's being branded should be completely nude and sort of held to the table like a sacrifice. That's a feeling of submission. They were planning to build a dungeon in one of the houses. I mean, the ways in which he tortured women. And that's what DOS was. Nexium in Scientology, you hear this comparison about all the time. You come in and you're mind controlled from day one. First of all, what is mind control? Is it possible that someone could control someone else's mind? The FBI allegation is that Allison Mack is the co-conspirator on this project. We're all working together and no one is ever punished. But you come in touch with a part of you that is invincible, authentic, congruent, and unique. And that is indestructible. Everyone starts throwing things, they put a spotlight on you, and then people start making fun, and then they're yelling, you know, Allison Mack sucks, and they do all this stuff, and finally someone comes out just with a hook, and just pulls you off the stage, and the next day, the picture in the front of the New York Times, full thing is you on stage going, with a hook, pulling you off the stage, and they say, biggest flop ever. Do not ever listen to Allison Mack again. She's a bad actress, a bad person. Terrible, terrible, terrible. And then just your name and the words terrible, terrible, terrible written. And then it, not only that, they take it and they put it all over and all, not only on all the street corners, but in everywhere where you go, they plaster that picture up so everyone sees. Yeah. And they have people following you, holding that picture over your head and pointing to her. Right? Yeah. Quatre possibles meurtres, des rituels occultes, de la torture. And I remember looking at her and we were both weeping. It was like, this is something out of a horror movie. Humiliation et lavage de cerveau des membres, Keith Ranieri qui s'avère être un pédophile, et le pouvoir des sœurs Bronfman, Claire qui déverse des millions de dollars afin d'intenter des procès contre les lanceurs d'alerte qui tentent de montrer ce qu'il se passe au sein de Nexium, ou engager des espions pour traquer les activités de ceux qui en sont sortis. Groups like this that litigate like this can drag out these lawsuits for years,
hoping to exhaust you and drain you and ultimately have you do what they want you to do, which is to gag you. Autant vous dire que le combat qui est en train d'être mené par les victimes, Frank Parlato. Yeah, her family never knew what happened to her, but we're gonna find out. La justice et tous les lanceurs d'alerte étaient avant tout un combat entre David et Goliath. Well, this is a powerful figure coming to the area, and you know, you both do understand about NXIVM when powerful, worldwide women. And when people like this all of a sudden start living here and are involved with groups of this nature, I think it does really shine a light over what the heck is going on there. Keith voulait absolument faire venir le Dalai Lama dans leur centre. C'est Sarah qui s'en occupe. Cette dernière aurait commencé à entretenir une liaison avec le gardien du Dalai Lama, un moine bouddhiste de haut rang qui avait fait vœu de chasteté. Vous voyez le niveau ? Finalement, Sarah atteint son objectif. Le petit moine compromis réussit à convaincre sa sainteté de venir à Albany, malgré les nombreuses protestations de ses habitants qui ne souhaitent pas que sa sainteté soit associée ni à NXIVM, ni à Keith Raniere, ni aux nombreuses allégations qui pèsent sur leurs membres. Finalement, le Dalai Lama annule sa venue. C'est un coup énorme pour cette organisation qui ne souhaite qu'un monde meilleur, pas vrai? Mais Sarah fait à nouveau appel à son petit moine pour tenter de convaincre sa sainteté. Sarah, Claire, Nancy Salzman, Keith Raniere et bien entendu notre petit moine finissent par se rendre au temple du Dalai Lama à Dharamsala en Inde. L'objectif, tenter de convaincre sa sainteté de leurs bonnes intentions. Et finalement, il accepte. And my friend, these two young ladies, two sisters, and then some respected teachers. C'est un rêve devenu réalité pour eux. Le Dalai Lama cautionne leur mouvement et offre une conférence le 6 mai 2009 en compagnie des membres NXIVM. Mais quand vient l'heure des questions-réponses... Thank you. Now some questions. There seems to be a lot of confusion about your visit here. Why did so many news sources and even your own New York office said that your visit was cancelled? Il répondra de ces quelques mots. They are caring. Some kind of movement about ethics. If you've done something wrong, then you must accept, you must admit and change, make a correction. I always is telling media people, the media people should have long nose as long as Et alors que tout le monde pense que le Dalai Lama vient de traiter les journalistes de menteurs en mimant le nez de Pinocchio et donc de soutenir NXIVM, les sœurs Bronfman et Nancy Salzman, soulagées, explosent de rire. Mais ce n'est pas du tout le sens de sa phrase. Il venait de mimer la trompe d'un éléphant qui se doit de sentir ce qu'il se passe. Il interrompt donc son auditoire. As long as the elephant nose and the smell in the front, behind. That's very important. Et demande aux journalistes, ainsi qu'à Keith, de dire la vérité. Thorough investigation. All these, because of that spot where you have some doubt. Ces mots auront un impact majeur sur la suite des événements. En effet, de nombreux journaux suivent les recommandations du Dalai Lama et emboîtent le pas de Frank Parlato déjà bien lancé et se mettent à rapporter des éléments alors encore inconnus du public. Claire did the stuff getting the financial records. Mm-hmm. Nancy hid the money and did the tax fraud. And Emiliano set up the scheme to get you and Tony thrown in a Mexican prison. Now, when this comes out, mm-hmm. It's going to be a shitstorm. Go in the car. We're gonna follow them. Yeah, Susie, some really disturbing details here. Mac was with the alleged cult leader when he was arrested in Mexico. Today, she was taken into custody in New York and barely said a word as the charges were read against her. I just thought that wasn't really possible. I thought it happened in the movies. And now that's my life, that's my reality. The 35-year-old actress was expressionless and silent leaving the latest court hearing Friday connected to the sex trafficking charges she faces. Claire Bronfman was set to be arraigned in a Brooklyn federal court while NXIVM employee
Kathy Russell and NXIVM President Nancy Salzman and daughter Lauren Salzman were to appear in federal court. Lauren was even Edmondson's maid of honor. First, she told me it was a women's group, an international women's group, a secret society, similar to the Freemasons. And the person should ask to be branded. She'd say, please brand me, it would be an honor, or something like that. Hands probably above the head being held, almost like tied down, like a sacrificial. The whole point was to experience pain. And if you have a fear of pain, you have a fear of knowing your own love. Overcome the pain to be really strong. It's when there's the most sacrifice, when someone maybe is even willing to sacrifice their life for the love of their partner. So they cut our flesh open without anesthetic. She suffered intense pain at the hands of Dr. Danielle Roberts. Do you want to do it? Are you committed to making the change? It's gonna take everything you've got. You've gotta want it. What was that like? It was worse than childbirth. Et sachez que de 2016 jusqu'à août 2017, le docteur Brandon Porter, avec la complicité de deux disciples de la première ligne de DOS, j'ai nommé Daniela Padilla et Lauren Salzman, ont fait une expérience très justement appelée les expériences de frayeur humaine. What exactly is the treatment here going to be then? Oh, it's quite simple, really. We're just going to show you some films. You mean like going to the pictures? Something like that. I remember her saying, we have something that gets to the root cause. And instead of taking years and years of therapy, it takes 45 minutes. A doctor described as the group's resident physician forced her to watch videos depicting acts of extreme violence and then filmed her reaction. L'objectif était de mesurer la résistance des sujets à des images ultra-violentes de clips et de films. As soon as he pressed play, and it opened on a dark street, and I just heard someone screaming at someone, bite the curb, bite the curb. And eventually the man does bite the curb, and the man who was screaming stomps on the back of the man's head and he dies instantly. Now, I mean, I know it's just a film, but it was very unexpected, and I just burst out crying. Jennifer Cobalt explique qu'elle fut également forcée de regarder la vidéo authentique de cinq femmes se faisant décapiter et démembrer. And then at some point he says, okay, like this is the last clip. And I was just in shock, just, and one of them didn't die right away. One of them was like writhing on the ground, still alive. And then the men just start chopping off their limbs. Ces images ont généré chez certaines personnes, dont Jennifer, de véritables traumas. Jennifer Cobalt nous le dit elle-même, elle s'est sentie dissociée. I just remember it was like sort of a dissociative moment. It was horrific. Il y aurait tellement à dire sur NXIVM, je pourrais évoquer la création d'un autre DOS au Mexique, dû au soutien de Emiliano Salinas, le fils de l'ancien président du Mexique, ou les dizaines de milliers de dollars versés à la Fondation Clinton par Claire et Sarah Bronfman via NXIVM. I am honored and privileged to join with Jan, with Edgar's children, grandchildren and great-grandchildren and the entire Bronfman family. Je pourrais passer un peu de temps à expliquer comment Sarah Bronfman et son actuel compagnon et ex-membre de NXIVM, le Libyen Abdul Basit Iktet, ont participé tous les deux à la chute de Muammar Kadhafi, avec le soutien du département d'État américain, donc d'Hillary Clinton sous la présidence d'Obama. Encore une fois. Today we can definitively say that the Gaddafi regime has come to an end. We came, we saw, he died. Celle-ci ayant offert à Sarah Bronfman la présidence de la Chambre des commerces reliant les États-Unis à la Libye. Sarah créera également cette même Chambre des commerces auprès du gouvernement canadien. Cinq ans après, le pays est comme d'autres dans la région menacé par l'islamisme radical de Daesh notamment, mais aussi en proie à un chaos sécuritaire et politique qui semble inextricable. Maintenant, c'est aux Libyens de tourner la page. This is something that never should have happened. Nous nous sommes tous fait avoir. Now you're talking about taking out ISIS, but you were there and you were Secretary of State when it was a little infant. Now it's in over 30 countries. And you're going to stop them? I don't think so. Abdul Basit Iktet, qui se voyait déjà nouveau président libyen, alors encouragé par Keith Raniere, a tissé des liens plus que douteux avec la Société des Frères Musulmans et reçoit même le soutien de personnages obscurs comme le Mufti Sadiq Al-Gharyani,
reconnu comme un terroriste, ou même le soutien de l'organisation terroriste Al-Qaïda d'après cet article archivé de 2011. Je peux également vous dire qu'il a profité de la chute de Kadhafi pour s'associer avec l'actuel chef des opérations de l'administration Trump, j'ai nommé Joe Hagin, qui a derrière lui plus de 16 ans à la Maison Blanche, alors conseiller de Reagan, Bush père et Bush fils. On parle là d'une personne, Abdul Basit Iqtet, ex-Nexium et toujours avec Sarah Bronfman, qui était liée d'un côté à la Maison Blanche, de l'autre au terrorisme. Et bien maintenant que vous avez pris note de ce qu'est l'affaire Nexium et de qui sont ces illuminés, je vous invite à découvrir l'héritage de l'enseignement de leur maître Vanguard. Je ne vais pas tourner autour du pot, soyons efficaces, il y a quelques années, Keith Raniere a placé Claire Bronfman à la tête d'une de leurs dizaines d'organisations à but non lucratif, se nommant Ethical Science Foundation, comprenez Fondation de la Science Éthique. C'est avec cette fondation que prend forme la nouvelle idée tordue de Keith Raniere, développer de nouvelles expérimentations sur le cerveau humain, mais cette fois non plus sur les adultes, ou même des adolescents, mais sur des enfants. Et pour cela, quoi de mieux qu'un physicien complètement fou, le docteur Brandon Porter, pour s'assurer de l'authenticité des résultats? Oui, vous savez, ce docteur qui fait regarder des vidéos de femmes décapitées. L'idée, c'est de développer un programme révolutionnaire car sorti tout droit du cerveau de Raniere, afin de rendre les enfants plus intelligents en leur inculquant, dès le plus jeune âge, une éducation dite multiculturelle. One of the most important things I believe in the upbringing of children is that children need to be exposed and have deep relationships, teacher, adult relationships where the child is brought up by people from different cultures. À peine le temps de balancer son idée à ses esclaves que 13 écoles voient le jour dans le monde sous le nom de Rainbow Cultural Garden. Dans l'état de New York, au Nevada, Miami, Mexico, au Guatemala, en Irlande et à Londres, pour ne citer que ces lieux. No es una escuela de idiomas. En realidad es un sistema educativo, como te digo, que potencia los primeros años de vida a nivel cerebral del niño, es decir, a nivel de pensamiento. ¿Qué pasa? Que lo hace a través de 7 culturas diferentes con profesores nativos de estas 7 culturas. Con lo cual el niño no solo aprende la cultura, sino que aprende el idioma como consecuencia, porque estas personas solo les hablan en su idioma nativo. Le résultat ne se fait pas attendre. C'est une véritable catastrophe qui s'abat sur des enfants qui n'avaient rien demandé, des problèmes de communication, certains enfants parlent un mélange incompréhensible de plusieurs langues, d'autres n'arrivent tout simplement pas à parler leur propre langue. Une véritable investigation commence aux États-Unis, le FBI s'en mêle, l'école de Miami est fermée immédiatement, pareil pour l'une des 4 écoles mexicaines à Monterrey. Les parents témoignent de façon anonyme pour éviter de se mettre en danger, surtout lorsque l'on apprend que quasiment toutes les personnes, incluant les nannies, sont des esclaves sexuels de Keith Raniere. D'après Frank Parlato et Joe O'Hara, également ex-membre Nexium, l'école Rainbow Cultural Garden est en réalité une expérimentation à grande échelle sur des enfants afin de leur faire perdre leurs repères et rester toute leur vie dépendants comme des esclaves. Ces expérimentations sont actuellement dirigées par les dévots de la secte de Raniere et dont les parents, pour certains, font eux-mêmes partie de la secte Nexium et sont prêts à débourser jusqu'à 120 000 dollars par an et par enfant. Même le couple d'acteurs Penelope Cruz et Javier Bardem, qui furent charmés par ces potentiels résultats, retirèrent leur fils des mains de sa nanny lorsqu'ils apprirent que le Rainbow Cultural Garden était une branche de Nexium. Et devinez quoi? La nanny du fils de Penelope Cruz, nommée Michelle Ratchett, n'était nul autre que l'esclave sexuel d'Alison Mack et Keith Raniere. Et c'est là où je vous rappelle le terme héritage que j'ai choisi d'utiliser plus tôt. Car aucun média ni journaliste français n'a soulevé ce que je vais vous dire. It wouldn't be surprising if the people who have remained committed to him are able to do so despite the evidence that might come out in a trial. They may still stay devoted to him and they may still follow his orders or decide to run some kind of version of this. The Ethical Science Foundation, right, was obtaining visas for teachers in connection with an alleged scientific study about the language development in children. When you look at an organization, rather than looking at it as, you know, a cult or something that mind controls, I think we look at these labels and we go, ooh, you know, we get fearful and it's something to gossip about and whatever. But the question is the organization doing something good or is it doing something that's bad? Nous sommes le 18 septembre 2018 dans la commune d'Apt, située dans le Vaucluse. Le conseil municipal, sous la direction de son maire, Madame Dominique Santoni, se retrouve pour voter différentes propositions,
dont celle de désaffecter l'école des Romarins de sa fonction d'école publique, l'éducation nationale l'ayant fermée à la rentrée. La proposition suivante permet à l'établissement dit les Romarins d'être loué par la SARL Atal Education Group. L'avis est favorable, et c'est ainsi que le groupe Atal s'installe à Apt afin d'y créer un pôle de formation sur l'art de recevoir pour des événements et hôtels de luxe. Ça, c'est l'université du Luberon, filiale du groupe Atal Hospitality, dirigée par Stéphane Frankel. Un autre campus propose aux enfants de tous âges une éducation multiculturelle, grâce à la présence de plusieurs nannies, chacune étrangère et parlant sa langue natale. Une immersion linguistique totale. Ça, c'est le campus au-delà de l'école de Atal Education Group, et qui a un autre centre, le Kids Club. Le but de ce campus, au-delà de l'école, c'est de rendre possible l'épanouissement intellectuel d'un enfant dès le plus jeune âge, afin qu'il puisse exploiter son potentiel en parlant plusieurs langues. Mais qui a eu la bonne idée de faire ce centre pour aider les enfants? Sarah is still running some of the cult's schools for children in France. Deux ex-membres de Nexium, le couple Sarah Bronfman et Abdul Basset Iktet, sont propriétaires du groupe Atal. Vous voyez ces trois personnes? Elles sont également membres de Nexium. Une ancienne membre de la secte, Ariella Menachi, qui a également tenté d'ouvrir un centre Rainbow, a révélé avoir fait un intensif dans ce culte sexuel et avait travaillé avec Edith Alcaino, la directrice multiculturelle d'Atal, et le professeur d'arabe Elias Boukhari, qui fait office de recruteur pour Alcaino. Ariella Menachi se rappelle également avoir vu le professeur de maths et de sciences, Baron Stewart, à l'une des Vanguard Week, cette réunion annuelle des membres Nexium. In the Jeunesse Women's Session, he did a whole teaching on how it's okay to have sex with children. And they showed this on tape, of him speaking about this on tape. You know, the little child, some little children are perfectly happy with it until they find out what happened in later in life. And then it's more society that abuses them than actually the parent. Ariel Menachi, qui connaît le programme Rainbow Cultural Garden, a dit que, je cite, « le programme du groupe Atal ressemble à 100% à celui du Rainbow Cultural Garden » et que les langues parlées sont celles qui ont été décidées par Keith Ranieri. Et cette fois, je m'adresse à Madame le maire, Madame Santoni. Je n'ai absolument rien contre vous, mais comment se fait-il que le groupe Atal, lié à la secte Nexium, contrôlé par des membres de Nexium, ayant embrassé les enseignements du gourou pédocriminel et esclavagiste Keith Ranieri, comment se fait-il que ces dévots aient pu reprendre l'école des Romarins et viennent appliquer ces expériences multilangues sur nos enfants au domaine des Andéoles? The age of consent. Some states it's 17, some parts of the world it's 12, some parts of the world it's right. So what's abuse in one area is not abuse in another. Comment se fait-il que vous n'ayez donné aucune réponse à ces questions déjà posées? Vous saviez pour les liens d'Atal Group, Sarah Bronfman, Basset Iktet et Nexium. Le Daily Caller souhaitait savoir si vous étiez au courant de leurs liens avec la secte. Ils n'ont reçu aucune réponse de votre part. Du groupe Atal non plus d'ailleurs. Sarah Bronfman et Elias Boukhari ont retiré aussitôt leur association à l'école Rainbow Cultural Garden de Londres après avoir été contactés par le Daily Caller. Et cette fois, ce message s'adresse à vous, Sarah et Basset. Je ne sais pas pour quelle raison vous continuez à appliquer cette expérimentation sur des enfants, mais je peux vous dire une chose. Que vous soyez tous les deux encore sous l'emprise de votre maître ou pas, dans les deux cas, vous reproduisez chez nous ce qui est déjà extrêmement préoccupant pour Londres, les États-Unis et le Mexique, et l'on ne vous laissera pas faire. Car si vous n'avez fait qu'en changer le nom, c'est que vous n'avez tout simplement pas retenu les leçons du passé. If les Andéoles were a church, what would be the religion we practice here? Monsieur Jean-Charles de Castelbaljac, je n'ai rien contre vous. Mais pourquoi êtes-vous allé tremper dans leurs affaires? Actually, I would love to do a ecumenic chapel in Les Andéoles one day. A place where you can be Muslim, Jew, Christian, Buddhist, and feel the charisma of the place and share humanity. So the religion here, you feel, is humanity or could humanity. Be humanity? Yeah, this is the project actually. Something needs to be done. This needs to stop. Voilà. La partie 2 de ce troisième épisode d'Apprenez à voir se termine, et j'espère sincèrement vous apporter un travail qui est à la hauteur de votre soutien. Je ne m'éterniserai pas, simplement heureux de sortir la tête de cette organisation criminelle qu'est Nexium. Cette vidéo, et toutes les informations qui vont avec, sont à présent à vous. Qui que vous soyez, vous pouvez bénéficier dès maintenant de la carte que j'ai montée au fur et à mesure de mes recherches. J'ai tenté d'y mettre un maximum de connexions importantes. Vous avez même une légende pour les caractéristiques de chaque personne impliquée dans cette affaire de fou.
également dans la description, je vous mets les liens de mes différentes playlists YouTube autour de Nexium. En gros, c'est toutes mes archives. Mais les liens de tous les articles sont également dans la description. Je vous préviens, il y a plus de 220 articles, pour la plupart archivés, car vous verrez les Facebook, les LinkedIn, les comptes Instagram des membres Nexium. Les articles concernant cette affaire vont peut-être progressivement disparaître pour tenter de ne laisser aucune trace. N'hésitez pas à échanger dans la section commentaires et avec respect. Je condamne toute forme de violence contre qui que ce soit, qu'elle soit verbale ou physique. Elle n'amène rien et ne fera que renforcer le mal que certains ont déjà trop cultivé. Si l'on se demande pourquoi notre monde part en vrille, c'est peut-être aussi parce qu'à force de nous battre pour nos droits, nous en avons oublié nos devoirs. Devoirs de père, de mère, de grand frère ou grande sœur, nous sommes loin d'être parfaits et malgré les différents traumas que l'on nous projette de force dans les médias et qui déstabilisent notre réflexion, des images toujours de plus en plus dures et occultes, malgré tout cela, j'ai le sentiment que l'on se débrouille très bien. Diviser pour mieux régner, tel est le programme de cette ingénierie sociale, et si cette élite a bien peur d'une chose, c'est que nous puissions échanger en paix, revenir à l'écoute et faire corps. Faire corps avant tout par l'esprit. Car si les victimes actuelles de trafic sexuel, de pédocriminalité, de violences domestiques et de toute forme d'intimidation lisent vos échanges dans la section commentaires, elles sauront au moins qu'elles peuvent sortir de leur silence car nos voix seront là pour les protéger. N'oubliez pas, si vous souhaitez que mon travail et mon message soient entendus, offrez-moi un pouce bleu maintenant et abonnez-vous en ajoutant la petite cloche si vous souhaitez être prévenu de la troisième partie d'Apprenez à voir 3. Et parce que c'est de coutume, je terminerai par remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'honneur de m'offrir un tip. Grâce à vous, je peux travailler sans stresser en me disant que vous êtes là pour m'appuyer. J'espère en tout cas faire honneur à votre soutien de 1 euro ou plus pour certains d'entre vous. Merci mille fois. Mes amis, il est vraiment l'heure de se réveiller. Prenez soin de vous.